Mon nom, c'est Marie-Philippe. Je travaille chez Petite Fleur depuis 3 ans. Je suis gérante maintenant. J'ai une petite fille qui s'appelle Mila, qui a 3 ans et demi. Et mon conjoint s'appelle Jean-Denis. J'ai eu une enfance vraiment très normale, très saine. Je dis toujours que je suis née dans la ouate. J'avais une maman très présente. À l'école, ça allait super bien. Tu sais, j'ai pas été un enfant qui a vécu des traumatismes par rapport à ma jeunesse, ni envers ma famille, ni envers l'école ou quoi que ce soit. La première fois que je suis partie de chez mes parents, j'ai changé de ville aussi. Ça fait que ça a été deux petits chocs, on peut dire. Je suis partie à Québec, j'avais 19 ans après mon cours de coiffure. J'étais partie pour la gloire là, dans ma tête. Petit à petit, j'ai vraiment commencé à avoir des symptômes d'inconfort, d'anxiété que je reconnaissais pas à ce moment-là, évidemment. Les premiers symptômes, c'était vraiment quand je revenais ici, j'avais une zénitude complète, j'étais bien. Je prenais toujours l'intercorps, j'arrivais en autobus. Puis je me souviens chaque fois que j'arrivais à Tadoussac puis que je voyais la pancarte « Bienvenue sur la Côte-Nord », j'étais absolument apaisée. C'était le retour, toujours au retour. J'angoissais dans l'autobus. J'avais jamais vécu ça, de l'angoisse comme ça. J'étais vraiment... j'avais un inconfort général. On dirait que c'est toujours quand t'es pris à quelque part. Exemple, dans l'autobus de ville pour me rendre à un point A au point B, j'étais juste de pas pouvoir sortir. J'avais tu sais, des chaleurs. À mon travail, des fois, j'avais des inconforts. J'ai déjà, tu vois, un petit peu des picots des fois, puis t'es comme, voyons. Puis finalement, ça continue, puis ça empire. Puis là, il y a l'insomnie qui est embarquée aussi. Puis l'anxiété, c'est vraiment, tu penses vraiment beaucoup, c'est très énergivore. Fait que oui, t'es super fatiguée, mais en plus, la nuit, le cerveau roule encore. J'étais stressée, je me disais, mon Dieu, j'aurais plus d'énergie pour aller travailler. Tu te sens plus toi-même, tu te sens plus dans ton corps. Fait que tous les symptômes qui étaient petits sont devenus grands et de plus en plus fréquents. J'ai compris que j'étais pas bien à Québec. Quand je suis revenue à Baie-Comeau, ça faisait tellement longtemps que mon corps vivait du stress que ça s'est pas réglé, il a fallu qu'un jour, là, j'aille vraiment consulter. Tu sais, les mots dépression, les mots anxiété, on les entendait, mais il y a personne, même ma mère qui a vécu de l'anxiété dans sa vie, a même pas pensé peut-être que ça pourrait être ça. Fait que là, j'étais comme, c'est-tu ça la dépression? Je demandais aux gens, est-ce que je suis en dépression? Parce que pourtant, j'avais le goût de tout faire, mais j'étais pas capable. Fait que j'ai consulté, puis là, le médecin, elle me dit « T'as un trouble d'anxiété généralisée. » Elle m'avait donné la bonne chose pour moi. Puis je pense que quand t'as la bonne médication, tu te sens enfin toi-même. Tu dis « Ok, je me retrouve, c'est moi, je suis encore là dans mon corps, j'étais pas partie. » Quand j'ai rencontré mon chum, j'avais 28 ans, je m'étais dit « Bon, j'ai déjà voulu des enfants, là aujourd'hui, j'étais bien avec le fait que peut-être j'allais en avoir un jour, peut-être j'allais pas en avoir. » Mais on n'a pas parlé, puis à un moment donné, ça a juste... Poup! Petite surprise! Un an après qu'on soit ensemble, j'étais enceinte. Puis on l'a juste accueilli comme ça, mais ça a super... c'était une bonne nouvelle, là. Un petit choc, là, de « Ouh! Notre vie va changer! » Mais moi, je savais que j'étais avec la bonne personne, lui aussi.
J'ai accouché à l'hôpital de Baie-Comeau le 29 mai 2020, en pleine pandémie. Moi, j'avais pas de plan de naissance. Mon plan de naissance, c'était je veux que ma fille naisse en santé, peu importe que ce soit naturel, épidural ou pas, césarienne ou pas, je veux juste que ma fille aille bien à la fin. J'ai eu 4 heures de contraction, j'ai pris l'épidural parce que c'était très douloureux, mais ça n'a pas été super long. La poussée, ça a pris 15 minutes. Et là, mettre ton enfant dessus. Plus beau moment de ma vie, je crois. Ah, j'ai pleuré comme une madeleine, mon Dieu. Je suis vraiment quelqu'un de sensible. Le peau à peau, on dirait que ça a duré 5 minutes, mais je sais que ça dure plus longtemps que ça. Fait qu'il y a rien d'alertant dans mon accouchement. Ma fille était correcte, mon chum allait bien. Là, l'histoire commence. J'ai accouché à 9h51. Donc là, tu fais ton pot à pot, le chum se couche, les infirmières lavent ton bébé et tout, puis là, ils te le mettent dans le petit berceau de vitre à côté de toi. Et là, tu es dans ton lit d'hôpital, puis tu te dis, OK, comment je fais pour dormir? Je viens de mettre un enfant au monde. Mon bébé est là. C'est mon enfant, ça. Juste de réaliser ça, c'est tellement hors de l'ordinaire, c'est tellement plus grand que nature. Puis elle pleurait vraiment beaucoup. Fait que là, tu sais, comment veux-tu dormir? J'étais incapable de dormir. J'ai juste pas dormi du tout. Donc déjà là, le lendemain matin, j'étais absolument brûlée, j'étais fatiguée. J'avais 2 nuits blanches derrière moi. Et là, ça tourne dans ma tête. Je me dis, bon, je suis une maman maintenant. Je suis même pas capable de dormir. Je suis super fatiguée, mais je dois tout donner à ce petit être humain qui vient de naître. J'étais comme, comment je vais faire? Je dis aux infirmières, est-ce que je vais être la seule mère à ne pas être capable d'être mère? Je dis, comment je vais faire pour donner de l'énergie à un enfant quand même? Moi, j'en ai pas. Quand t'es dans le moment anxiogène, tu vois pas la fin, tu vois pas le bout. C'est la fin du monde. La journée qu'on est revenu de l'hôpital, le soir même, j'ai rappelé le centre mère-enfant et j'ai dit « ça marche pas ». Surtout face à mon allaitement qui allait super bien. C'était plate parce que j'ai dû arrêter à cause que là, je savais que la médication allait embarquer. Donc j'ai arrêté mon allaitement, mais j'aimais mieux arrêter mon allaitement et moi être bien pour ma fille que d'allaiter et d'être une mère épuisée totalement. Quand je fais de l'insomnie, je suis juste incapable de trouver le sommeil. C'est pas une nuit saccadée de plein de réveils, c'est je ne dors juste jamais. On dirait que toutes les idées les plus sombres, on les a la nuit. Le lendemain, j'ai appelé mon médecin pour qu'elle me represcrive mes médicaments pour l'anxiété. Et en plus, un night sommeil, mais qui n'a pas marché beaucoup. Je pense que ça a pris à 3 fois jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui m'a convenu. Puis là aussi, il y a aussi le fait, il faut qu'il te donne quelque chose de pas trop fort pour que tu puisses réveiller pour ton enfant la nuit. Fait que tu sais, quand il y a un enfant, d'impliquer tout plein de petites choses qu'il faut prendre en compte. C'est difficile dans un couple parce que mon chum apprenait à être père avec sa conjointe qui ne reconnaît plus. Les premières nuits, ma fille, elle faisait 5-6 heures de pleurs assez au début de la nuit. Il s'occupait de ma fille qui pleurait à peu près jusqu'à 4-5 heures du matin pour finir à s'endormir. Lui s'endort sur le divan, pas trop confortable. Fait que ça a été dur côté couple parce que mon chum il a été père à 26 ans, ce qui est assez jeune, donc il y a eu des petits deuils à faire de sa vie de jeunesse. Et là, au travers de ça, sa blonde, elle va pas bien. Et là, suis-tu capable d'être un père? Il a fait ça comme un champion pour vrai, là, c'est le meilleur père de la Terre. Ma mère est venue en secours, évidemment, dès la première nuit, elle est venue faire les nuits avec mon chum. Il se relayait, OK, je prends 30 minutes, Mon chum a pris sa place de père parfaitement. Moi, j'étais là à moitié. Ma mère a pris l'autre moitié que moi, je n'ai pas été capable de donner au début. On peut dire ça comme ça. Pendant toute cette période-là, c'est sûr que
Il y avait, tu sais, il y avait beaucoup d'angoisse que je partageais pas nécessairement avec, avec mon chum, avec ma mère. Malgré que ça paraissait que j'allais pas bien, il y a beaucoup d'affaires que je gardais en dedans pour les stresser le moins possible. Je voulais toujours tenir ma fille quand j'étais assise parce que je me disais, si je la tiens debout, j'ai peur de tomber. J'ai peur d'être tellement faible, de pas être stable pour elle assez. Chaque petite tâche était une montagne. Un bébé naissant, tu laves, tu prends un bain aux deux jours. La journée du bain, c'était une grosse journée pour moi. Une semaine après, il a fallu que j'aille à l'épicerie. Quelle épopée d'aller à l'épicerie dans un état comme ça. C'était surréel. Moi et mon chum m'ont dit, OK, à soir, on se fait une fondue. C'est pas trop compliqué à préparer, mais ça a l'air d'une grosse soirée. On se fait une fondue à soir. Il a fallu que j'aille à l'épicerie chercher des trucs. Et là, j'étais dans l'épicerie, j'étais comme... Je sais pas si là, les gens se rendent compte à quel point je suis pas là. J'espérais rencontrer personne que je connaisse. J'ai fait ça super rapide. J'ai oublié des affaires. Je voulais juste m'en aller chez nous. Quand tu vas pas bien, tu veux pas te montrer à tous. Fait qu'il y a eu un deux mois, un été, là. J'ai eu Milan le 29 mai. Je te dirais que dans le mois d'août, j'étais pas pire. Je dirais que mon insomnie, ça a été la grosse affaire à contrôler. J'avais raison parce que quand ça a bien fonctionné avec la médication, j'ai recommencé à bien dormir malgré que mon enfant me réveillait. J'étais capable de me rendormir à chaque fois qu'elle me réveillait. Donc déjà là, j'avais du sommeil plus qu'avant. Quand ça a été réglé, le gros du problème était réglé et là, j'ai vraiment vu une amélioration dans tous les aspects de l'anxiété. C'est vraiment la période la plus creuse de ma vie. Puis c'est drôle parce que ça se chevauche avec les plus beaux moments de ma vie. C'est très bizarre. Si j'avais un autre enfant, ça serait vraiment pour donner un frère ou une soeur à ma fille. Le traumatisme de l'expérience que j'ai eue fait que j'ai tellement peur de retomber là-dedans. Le sujet est pas clos, mais ça me surprendrait que la famille s'agrandisse parce qu'on est vraiment content de ce qu'on a en ce moment puis on l'apprécie. Par chance, j'ai trouvé des filles que je connaissais pas vraiment en fait, mais qu'on a commencé à se parler parce qu'elles avaient vécu un peu la même chose que moi. Juste de savoir que t'es pas tout seul à vivre quelque chose, c'est tellement moins anxiogène de dire que t'es pas anormal, c'est juste que pour le moment, tu vas pas bien. Si, mettons, quelqu'un écoute la vidéo puis se reconnaît dans ce que je dis, n'importe qui, ça me dérange pas qu'il vienne me parler. Je sais pas si on peut dire que c'est encore tabou, mais il y a certainement des gens qui sont pas à l'aise avec le fait de parler de leur santé mentale. Moi, ça me dérange pas. Fait que si je peux aider des gens, je serais vraiment contente. Quand t'as vécu des périodes creuses dans une vie, tout ce que tu veux après, c'est de revenir vraiment à l'essentiel, que ce soit une vie simple, vraiment une vie simple.